Alors, plus précisément, la carte de Washington. Alors, maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un congolais. On dit, mais qu'on a eu à ça, il s'est ajouté. Pour la Corée, on a eu un combat de la yo. Pour la Zoto, on a eu un combat de la yo. Pour la combat de la yo. Alors, puis, bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es un gnosso. Tout à coup, on a chinois. Sinon, on voyait pas, sinon, on voyait rien. Pour pas comprendre le thème, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, la Pino Moko, pas pour la Coréenne, Coréenne, appétit! Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, le week-end, c'est vrai, vous le savez, généralement, nous traitons des questions de société. Et ça tombe bien d'ailleurs, je parle de la question de la pauvreté. C'est vrai, c'est la journée internationale de la lutte contre l'élimination de la pauvreté. Mais d'abord, sommes-nous sortis de la situation ou nous sommes dedans? Est-ce qu'on est encore en train de souffrir? Est-ce qu'on peut comparer la pauvreté qu'on avait en 2017 jusqu'aujourd'hui, est-ce que la courbe a finalement, ou est-ce que les choses ont changé? C'est des questions qu'on va devoir se poser avec le conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté, le président de la République. Monsieur Badibanga, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, la pauvreté, on en parle, vous êtes, comme on va dire, le premier ennemi de la pauvreté. Vous combattez la pauvreté à travers votre structure, à travers votre juridiction, on va dire. Comment se porte la pauvreté en RDC? Comment elle se porte? Elle est toujours obèse? Elle est en bonne santé? Ou elle souffre petit à petit déjà? Elle ne se porte pas bien, ouais. Je dirais, parce qu'elle est, déjà attaquée. Et donc, je pense que si elle a aussi ses béquilles et ses agents, donc ils s'agitent justement pour résister. Mais ils pouvaient être sûrs qu'elle est mal à l'aise. Alors, il faut dire que le chef de l'État arrive au pouvoir en 2018, je veux dire, il commence à gérer en 2019. Aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce que l'on retient exactement en matière de pauvreté? Quels sont les acquis que nous avons maintenant, depuis que l'alternance a commencé? Très bien. Vous savez que la pauvreté, elle est large, elle est partout. Elle est en tout. Elle est multisectorielle, multidimensionnelle. Donc, ce n'est pas un secteur, voilà, la pauvreté, elle est là, dans le pays comme le nôtre. Il y a des structures qui sont appauvries davantage. Je disais l'autre fois, parce que c'est important d'abord avant de parler de la question de la pauvreté, circonscrire un peu le concept. Le pauvre, c'est qui? Parce que je parle de pauvre, je ne parle pas de la pauvreté, ce n'est pas les milieux, c'est-à-dire les hommes congolais qui sont pauvres. Le pauvre, c'est qui? Le pauvre, c'est celui qui est dans une situation où il n'a pas d'avoir. Il n'a pas de savoir. Il n'a pas de pouvoir et il n'a pas non plus de vouloir. Voilà comment, moi, je ramasse un peu le concept de pauvreté pour me permettre de me mouvoir dans tous les sens. Donc, pris tel quel, on peut dire que la pauvreté en RDC, donc à partir du moment où le président a pris le pouvoir jusqu'aujourd'hui, elle s'est réduite dans certaines dimensions. Et que dans d'autres, parfois, elle se maintient. Donc, elle s'est réduite où? Elle s'est réduite d'abord
dans les cas de des pauvres, je dirais, par les antivaleurs. Les pauvres qui sont appauvris par les antivaleurs. Aujourd'hui, le président a déjà, je pouvais dire, des atouts pour le combattre. Nous avons l'agence de lutte contre la pauvreté. Il y a l'agence, disons, le conseil spécial en matière de changement des mentalités. Il y a moi-même, avec mes lieutenants, qui traquent. C'est déjà un pas. Puisque dans ce pays, il y a des centaines, des milliers, des millions de gens qui sont appauvris par les dirigeants des entreprises, des gens politiques, qui détournent les fonds de l'État. Et ils appauvrissent les gens. Donc pendant que les gens tombent dans la pauvreté, le monsieur est appelé préso, ou il est appelé tel ou tel autre, ainsi de suite, il se pavane dans la ville, et il n'y avait aucun système pour traquer ce genre de personnes. Mais aujourd'hui, il y a l'IGF. Qui n'est... Il y a l'IGF aujourd'hui, oui. Plus ou moins, qui s'attaque à la question. Il y a les inspecteurs judiciaires qui sont également dans cette bataille-là. Et donc, les gens, les détourneurs, et donc, le système-là, il est en gestation, il bouge, il s'agite pour tomber. Est-ce que le système du vol n'a pas été remplacé par un autre système, d'une autre sorte de vol? Tenez par exemple, un membre de l'UDPS, un parlementaire debout, a crié dans tous les cieux en disant par exemple que à l'UDPS, les gens étaient en train de manger les beefsteaks autour du président. Et si déjà votre propre parti, le parti de l'UDPS, crie déjà une sorte de remplacement du vol par les vols, alors on se pose la question, donc la pauvreté restera dans ce pays? Vous savez qu'on est en démocratie, n'est-ce pas? Ok, on ne peut pas dire qu'au sein de l'UDPS, qu'il n'y ait pas des aigris, qu'il n'y ait pas des gens qui ne soient pas satisfaits. Non, loin de là. Donc, il y a certainement des gens qui ont eu des nominations, qui sont en poste ou qui se retrouvent. Il y en a qui attendent encore, et il y en a qui sont déçus. Ça, c'est, je peux dire, le tableau normal de toute institution. Nulle part, même Jésus-Christ n'a pas convaincu tout le monde, il n'a pas guéri tous les malades en Israël, et il n'a pas enrichi tout le monde. Il y en a qui, jusqu'aujourd'hui, qui attendent le retour de Jésus-Christ, vous vous rendez compte? Non, sa venue, ils attendent leur Messie en Israël. Et Jésus, est-ce que pour vous, il est venu, il n'est pas venu? Il est déjà venu, il est parti, il est combattu. Donc. Mais la pauvreté, parce qu'il faudrait en parler, les tableaux, les rapports internationaux font état de notre pays comme l'un des pays les plus pauvres du monde et l'un des pays qui gagne de points tout le jour dans la croissance de la pauvreté sur son sol. Comment ça s'explique? 2 ans après le pouvoir, vous êtes là. Vous savez, la question, par exemple, de l'évaluation de la pauvreté, c'est une question macroéconomique. Et donc, c'est à travers une période. Il faut revoir une période pour se dire, voilà, nous étions ici, nous sommes là, on a progressé, on a régressé. Donc, pris comme tel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aujourd'hui, parce qu'on a vu un phénomène, on a vu quelqu'un s'agiter, du coup, on s'est mal évalué si on avance ou on régresse. Non. Je vous dis que vous avez d'ailleurs dit les tableaux s'améliorent en termes d'agrégat pour ceux qui voient, qui prennent un peu du recul. Ils voient que, voilà, le pays est en train d'avancer. Mais quand vous entrez dedans, bien entendu que vous aurez des situations diverses. Vous aurez certainement, dans une prospérité, il y en a qui régressent. Mais Kabila nous disait aussi ça. À l'époque de Kabila, c'était que tous les discours étaient bien, tout ce qui s'est passé, c'était beau, qu'il y avait des projets qui se faisaient. Tantôt, c'était à l'Équateur, tantôt, c'était Bukangalonzo, tantôt, c'était. Mais la pratique a toujours été trahi, a toujours trahi les textes. Non. La différence, c'est que
Kabila disait ça, mais le système en place ne témoignait pas du changement. Aujourd'hui, c'est quoi la différence? Non, aujourd'hui, nul n'en doute d'ailleurs. La volonté du président de changer, parce que le numéro un, il est engagé dans cette bataille du changement. Mentalité, changement de structure, du système, bref, un peu le déboulonnement du système qui était là. La justice, elle est là, en train de se mettre en place. Donc, même les plus classiques, je dirais, même les qui sont allés se réfugier au Parlement et tout ça, ils se sentent plus ou moins en insécurité. C'est très important. On aurait voulu que ce sentiment d'insécurité se concrétise, malheureusement. Le seul prisonnier reste Vital Kamerhe. Et la grande question, pourquoi seulement lui? Est-ce que s'il mourait aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Parce que finalement, on dit qu'il est malade, ainsi de suite. Il est le seul prisonnier, alors qu'il y a des gens qui ont l'argent de Gécamines qui sont en liberté, et il y en a qui ont l'argent de Gopas en liberté, c'est l'affaire de passeport en liberté, les affaires de barrières, ainsi de suite. Bref, l'affaire de Covid-19, c'est tout, c'est la même chose. Alors, pourquoi seulement Vital Kamerhe? Monsieur Christian, vous êtes juriste. Vous savez que les juges, les statuts qui suivent les faits, dont il est saisi. Et donc, Vital Kamerhe, son cas est un cas de juge qui a statué. Et si pour tel ou tel autre, le juge n'est pas encore saisi, mais souffrez qu'il juge encore, mais c'est pour un petit temps. C'est quand même bizarre, parce que lorsque vous étiez dans l'opposition, vous disiez qu'une fois au pouvoir, vous allez arrêter tous les voleurs. C'était ce que vous nous avez dit, mais 2 ans déjà après, aucun voleur n'est en prison pour corruption, pour détournement, si ce n'est Vital Kamerhe et quelques autres personnes. Ah, vous avez ajouté quelques autres, oui, heureusement. Mais pas des grandes figures en tout cas. Peut-être vous faites la comptabilité, donc vous connaissez ceux qui sont arrêtés, vous connaissez ceux qui sont dehors. Non, en tout cas des grands, les emblématiques. Au courant, la science que nous avons dans ce pays, nous avons des voleurs emblématiques. Mais d'abord, qui établit que tel a volé, tel n'a pas volé, c'est pas vous. Ce n'est pas vous. Mais les faits ici au Congo, tellement c'est frappant, non, tellement c'est flagrant, non, qu'on peut savoir. Non. L'affaire de la SNEL, jusqu'aujourd'hui, personne n'a démontré le contraire. Ne faisons pas de l'amalgame. Oui. En droit, la compétence est d'attribution. Vous n'êtes pas qualifié pour dire que tel a volé, tel n'a pas volé. Mais je suis témoin du vol. Il y a des institutions. Parce que si nous travaillons comme ça dans une république, évidemment, c'est l'anarchie. Si tout le monde doit accuser tout le monde, si tout le monde doit juger ou se prononcer sur tout, c'est ça le mal du Congo, des Quinois. Ça me fait rire quand même. Parce que vous trouvez un mécanicien en train de parler du droit. Mais là, il ne s'agit pas du droit, là, il s'agit du vol, du détournement. Non, mais il y a des personnes qualifiées pour dire s'il y a détournement ou non, s'il y a vol ou non, et ça, c'est après un travail. Mais justement, ils disent pas. Ce n'est pas, vous me dites, le travail n'est pas fait. Vous observez où? Vous observez dans les comptes, vous allez fouiner dans les comptes des entreprises. Est-ce que vous êtes dans les transactions? Je ne sais pas où est-ce que vous observez. Oui, mais lorsque vous étiez dans l'opposition, justement, vous traitiez tous ces gens des voleurs. Je peux sans vous preuve, dire qu'aujourd'hui, c'est cela qui est appliqué. Mais oui. Je vous dis au départ que ce n'est pas moi qui établis, ce n'est pas le président qui établit, qui a volé ou qui arrête. Il faut mettre les choses en place, mettre le système en place. Le système qui est mis en place ou qui est en train de se mettre en place est tel que il y a des inspecteurs de finances qui peuvent scruter, se balader dans le compte et déterminer si un manager à voler ou pas, s'il y a une gestion ou pas. Dans ce système, il y a des inspecteurs judiciaires qui sont à même donc de saisir, de faire des investigations. Dans ce système, il y a un procureur qui peut initier le dossier, il y a un juge qui peut se prononcer. Voilà ce que moi je dis, le décor est en train de planter pour que le système fonctionne. Mais pour l'IGF, il faut rappeler que 3 mois sans paiement, sans être payé, ils n'ont pas de frais de fonctionnement, ils ont déclaré. C'est comme ça que vous traitez ceux qui arrêtent les voleurs et ceux qui doivent travailler pour rechercher l'argent. Non, ils ne sont pas les seuls. Parce qu'ils ne sont pas peut-être les seuls à se plaindre. Il peut y avoir d'autres cas. OK? Je n'appuie pas ça. Mais je pense que l'IGF connaît les mécanismes et savent sur quel bouton on peut appuyer pour s'ils ont un problème de salaire ou quoi. Mais ce n'est pas Christian Bossembe qui va régler ce problème. Bien sûr.
Donc, j'admets qu'on puisse avoir un retard de paiement, c'est normal, à moins d'être aveugle hein, par rapport à la situation et le contexte que l'on traverse. Mais les retards, le président, lui, n'est pas impayé. Vous, les conseillers, vous n'êtes pas peut-être impayé. Les ministres n'est pas impayé. Qu'est-ce que vous en savez? Mais vous ne dites rien. Alors, dans auquel cas, ce serait très grave que le président soit impayé. Qu'est-ce qui est grave si le président n'est pas payé? Mais comment ça, il va être impayé? S'il est impayé, donc c'est fini pour lui. Ça peut être une erreur du système, ça peut être un retard. Vous savez aujourd'hui que nous sommes rentrés dans la comptabilité des caisses. Hein? Le pays, là, vit selon ses moyens. On n'est plus à l'époque où on pouvait faire tourner la planche à billets, banque centrale, donner, non. Aujourd'hui, on regarde ce que nous produisons, c'est ce que nous consommons. Et c'est pour eux que vous n'ayez pas... Vous savez, en cette matière-là, quand on fait le budget, il y a les dépenses, il y a les recettes. Les dépenses sont presque certaines, vous savez. Mais les recettes sont probables. Donc, les recettes ne sont en réalité concrétisées qu'au jour de leur perception. Mais sinon, ça reste une vue, hein, voilà, au fait, je dirais, des possibilités que vous pouvez mobiliser. Je voudrais qu'on revienne sur... Partant de ça, par prudence, on essaye de freiner les dépenses lorsque les recettes ne sont pas encore réalisées, compte tenu du contexte actuel. Et parmi les dépenses, c'est la paye. C'est une dépense comme toute autre. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui est fait pour les cas de... Parce que vous parlez des inspecteurs de finances. Mm. Je ne dis pas que c'est ça. Mais je vous dis que d'une façon globale, les dépenses sont certaines, mais les recettes sont probables. Alors, je voudrais prendre un autre chemin, parce que j'en ai deux dans ma tête maintenant. Le premier chemin, c'est celui de vous amener dans ce que vous faites et ce que le président est en train de faire. Un autre chemin, c'est celui de vous amener tout de suite dans la pauvreté, parler de la pauvreté, parler de votre sujet à vous. Lequel vous choisissez? Comme ça, je l'aborde. Je ne choisis... Enfin, tout ce que vous pouvez Parlons-en. Aborder, bon. Je veux vous parler de Lingala aussi, non? Ça ne vous dérangerait pas de parler un peu de Lingala? On va faire le d'ailleurs. Très bien, on va faire le deux. Conseiller. Ouais. Congolais Lobiboué. Félix Tshisekedi, Azamouté Mamalamo. Azamouta bien, mais bino ba conseiller naïe, ou vous constituez entourage naïe, ne vous soumettez. Ça va faire une année que Badbazo attaque bino systématiquement. Balobi, ba conseiller ya Fachi, bazo soumettez. Or, yo vous a conseillé, et pas mbate spécial. Alors, yebi sa biso nanou, moussala na bino pembe ni a Félix Tshisekedi ezali mini. Est-ce que vous unissez na peuple? Est-ce que binobo bonga bozana ba vie amalama ya malamu tope bosunga ye asala makambo peuple a kokanisa ye mutuna yango bon population le binengo bon yo le binini ngana le binu mutuna yango na mutuna nanga yango na vous savez dans la vie il y a la perception et puis il y a la réalité. Ouais. OK. La perception, c'est ce que je peux avoir ou imaginer de vous. Nous pouvons voir Tomoni Moutou à l'Ekiawa. Nana Moussika Natali Nalobi, ah, Azamobali. Peut-être Moutou Moussou Yamouni, Azamouasi. Mais la réalité, elle n'a pas changé. Cet homme-là est peut-être un homme ou une femme. Mais selon la position, il y a eu Azalimouasi, ou soit Mouni Azamobali. Le président Aponi va conseiller selon le besoin. Et puis, ce n'est pas conseiller, nous sommes aux droits et aux conseils. Donc, nous sommes conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté. Ma kamboa droit et bimi, nous sommes tous conseiller à droit. Ma kamboa insécurité et bimi, nous sommes tous conseiller en matière d'insécurité. Les kamboa foutu batouté, nous sommes. Est-ce que c'est bon? Non. Je vous dis, nous sommes tous conseiller. En droit, compétences, les alliés d'attribution, c'est-à-dire qu'il faut être précis. Quel est le domaine qui ne marche pas? Ce qui nous a dit, c'est que Félix Tshisekedi, depuis à Kotaki, ils ont marché à Kossi. Parce qu'il y a des choses qui marchent.
Mais aujourd'hui, il faut être bêlé. Non. C'est pourquoi il faut être précis pour avoir aussi une réponse précise. Tout qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout qu'est-ce qui n'a pas social, il y a bateau. N'zala. Les lots bateau, comme tu disais, tomate, il y a kokata. Bakaboli, n'zala, tomate, bakaboli, on a katikati. Mais on a au bouquet de kokata. Teme. Au bouquet de kokata. Est-ce que n'zala, il y a kokata, tomate, il y a kokata, et bandit les lots? T'es bandit les lots, mais plutôt qu'en zala, il y a ceux qui viennent ouvrir aussi là. Non, je suis d'accord que. Normalement, il devait s'aider pour battre Balia. Et que ça prend du temps. Je vous donne Il faut aider la population à comprendre, surtout vous de médias. Est-ce que vous savez combien de gens, combien de personnes, Basolina Mukonzi Mboka, Basolina Intention, il a quoi investir dans Mboko? Oui, combien il y a à contacter les bandas au Bazali n'a pas ça qu'il y a dans Mboka. Bazali et Moussou même, Bazali sur place. En matière d'investissement, en matière de projet, il y a ce qu'on appelle les études de faisabilité, les études préliminaires. Mais tu dois ne voir qu'attendre. Pourquoi il y a les lots au Bandi, aux Anadikanis, il y a au Congo, il y a une usine pour na Salambalamoko, to ba vitre, to nazo sable ya fleuve, on a salaka ba vitre, naïepo, na salanzela. Avant au banda, au salanzela, tu peux faire 2 ans, 3 ans, 24 mois minimum. Étude de faisabilité. Les rois nous allaient sur terrain, aux autres travailler, mais moutoumo côté la population a yébike, bazo bon, il n'y a rien qui bouge. Les jours, n'a pas ça d'examen, il y a ba saut de mouton. Et bandina nous, que ça étude conception, pe bazo timbula bazo kenenase, ou ana bato, mais les kamuni d'angou et zalia, et l'okuni et zalia, pendant 2 mois et 2 mois, avant mouya komona, et l'oké bandi komata. C'est cela aussi avec le président. Bato yo, bato de l'eau, namboko yo, bato bazali, qui sont en train de travailler sur des études de faisabilité. N'ako pe zalim da, qui se po bato, ce serait bien. Oui, bi mbo kanabiso ekoti ekomi état toloba na 1885 état indépendant du Congo. À cette époque là ba monaki que non, le Congo ne vaut rien sans chemin de fer. Ba bi ba comment il raisonner chemin de fer en 1885. Oui, bi mbule ni chemin de fer yoko bino. Na 1906 soit 21 ans. Ce n'est pas qu'il ne travaillait pas. Il faut comprendre ça. Un investissement sérieux prend le temps pour les études de faisabilité. À moins que l'étude de ces salamaki, comme c'est fait, Naotoko Banda, même dans 6 mois. Mais quand il n'y a pas d'études, même si les accords sont signés, vous prenez le temps. Le minimum, c'est 24 mois. Toki la probabilité, toujours la possibilité, Yanzala. Conseiller. Rapport Mora Zalangwa. Par rapport à l'économie, les Congolais ont vivre dans la pauvreté, ils ont moins d'$1 par jour. Ils ont consommé à l'époque moins d'$1 par jour. 2013, la même chose. Ils ont 8 cents, quelque chose comme ça. 2014, 2015, 2016, ils ont dit qu'ils ont déjà 1$ déjà. Et tout ça. Les lots, tout ça, combien les Congolais ont consommé, combien de francs congolais par jour? Je souhaiterais aider les Congolais à ce cela que mise en place il y a un système et allient un salut pour lui et c'est dans la durabilité. Parce qu'on n'aime pas de cosmétique. Parce qu'on dit que c'est la cosmétique au Lobioan. Que azo ça la cosmétique, le coup n'a jamais conduit pendant 6 mois ou 1 mois, n'a ça la boue, tout le monde n'a ça les malades. Après tant qu'accueilli, et ça fessé. Et ça fessé. Moussou soyez, a dit que pendant 1 année, 2 ans, ça là, mais je sais que juste le temps de mon mandat, après moi, c'est le déluge. Ce n'est pas la vision, il y a moi, Namboka Fati. Il construit sur les rocs. Et le Komoko, il y a entre béton. Quand tu fais du béton, parfois ça, c'est dur. Ça fait travail en temps, mais c'est ça qui est dur parce que ça met en place un système.
Aujourd'hui, le président a dit, tout ça, on a bunda, on va importer, moi, un pionnier, un cabola, tout ça. Mais si tu me donnes un poisson, j'aurais encore faim, non? J'ai faim. Si ce n'est pas un système, mais le gouvernement se débattre, va importer, moi, maïs, va tout balayer, bon, lobby. Par contre, si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Mais quels sont les programmes que vous établissez? Là, maintenant, tu as bien parlé. Voilà, vous comprendre. Quels sont les programmes? Moi, je suis dans quel programme? Ne m'amène pas dans, autour du jour, non. Pourtant, le vécu est là. Hein. On peut bien faire le programme, mais le vécu... Oui, mais attends, vous en apportez aux Zoki. Tu ne vas pas chez les médecins à Zoki si, allez, à mamie. Non. Il doit d'abord nettoyer, et ça le passe, il y a l'ongola, il y a pendant ce temps, ce qui attire que nous, le colazo, l'éla, mawa, natika, a pébi, ça fait nous ça malamouté. Yon a mis nos monia, oui, ça va, tikinga. Non. Kanga, yon souy, kokangaye basing, bokangaye basinga. O tche penza, ozu alcool, o tche kuna, ozu dakin, o tche, o longoli, tang ou pote, komi pembe, ozu kis o tche. C'est ça que tu donnes la chance, na pota wana, e kaouka. Les programmes qui sont là. Il y a programme, il y a gouvernement. Parce qu'en fait, c'est le gouvernement qui traduit un peu la vision du président. Programme, moi, là, et ça, là, qui revu, compte tenu, à l'impératif, il y a COVID-19. Moutoko Lobate, que, ah, Ndengenini, pourquoi, bah, incapable, bon, et il profite de ça. On ferme les yeux au contexte international, on ferme les yeux au contexte du COVID. On s'est dit que Pachi devait faire les miracles, comme ceux qui, les lots, Azok, ceux qui ont réalisé le budget, n'a été, c'est l'incompétence, ceci ou cela. Mais en réalité, où est Bakali, c'est là qui bisso, dans l'Occidentaux, qu'il n'y a pas comme le bisso hécatombe. Et il était. Beaucoup de commissaires nous ont embêtés. Parce qu'on se disait que maintenant c'est fini, donc bah africain, bah congolais, maoua, tokunda bango amas. C'est pas arrivé. Mais qu'est-ce que le président a fait? Je donne un exemple. Parce qu'il y a, il y a quatre problèmes qui préoccupent la macroéconomie. Quand on veut dire macroéconomie, il y a la production ou le problème de croissance. Tant au Tobandimbu, là, nous étions à certaines perspectives. Mais compte tenu il y a COVID, non, on s'est dit, restez chez vous. Restez chez vous. Ça signifie quoi? Ça dit que le président a sacrifié plus ou moins l'objectif de la production pour garder les vies humaines. C'était un choix à faire. Parce qu'il pouvait dire, parce qu'il faut produire, il faut qu'on respecte le taux de croissance qui est décidé, tout ça. Dans le cadre macroéconomique. Donc, tu sacrifies les vies humaines pour maintenir la croissance. Ou bien, tu protèges les vies humaines au sacrifice de la croissance. Bon, il a fait son choix, protéger les vies humaines et sacrifier la croissance. Ça devait se ressentir. Le bar, ce qui monte à Zama, il était. Et quand on dit aux gens, restez chez vous, mais vous mangez, les mois passent, l'autre passe, ça signifie quoi? La croissance, qui personne n'a produit, il n'y aura rien. On prend le deuxième agrégat, c'est la stabilité des prix. Donc, je disais que le premier, c'est la production, la stabilité des prix, ou autrement, c'est contre l'inflation. Tozoa qui secousse ma casse, juste après. Donc, moi, flambéillé, Oyebiyomoko, c'est ce que le président a fait, les discussions qu'il y a eu entre le gouvernement, le gouvernement de la banque, pour dire attention, maintenez-moi la stabilité. Pourquoi? Parce que ça va éroder les pouvoirs d'achat de la population. Donc, à ce jour, je peux dire que ça, c'était une félicitation au gouvernement, au gouvernement de la banque, ils ont maintenu la stabilité de l'échange, ce qui permet plus ou moins aux gens, depuis un certain temps, de se retrouver. À 20? Mais bien sûr, c'est autour de 20. Ouais. Pas 20, mais autour de 20. Et ça vous arrange, autour de 20?
Vous savez que le taux d'échange hein, ou la stabilité des prix, parce qu'on est au côté ici, au côté d'un mois, un troisième agrégat. Oh. Mais, n'a pas eu une réponse. C'était le taux d'échange, c'était un prix. C'est-à-dire, c'est ce que vaut votre monnaie par rapport à l'autre. Donc, au Kobundate, non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que, yozo produit, production nayo, c'est ta production qui soutient la valeur de ta monnaie. Oh. Et donc, ta monnaie est évaluée par rapport aux autres monnaies. Tu n'as pas à faire de miracles sur Koloka, ou qui se gozo, qui se paie, quelque part, en termes d'économie, aux eaux asphyxiées l'économie. Troisième agrégat, l'emploi, ou notamment lutter contre le chômage. Mais quand on dit aux gens, restez chez vous, dans les conditions, il n'y a pas que le Congo, le monde entier. C'est-à-dire que l'objectif, il y a emploi, dans le Kolobaté, qu'il y a eu suffisamment des emplois qui sont créés. Non. Mais c'est avec raison aussi. Vous allez créer, envoyer les gens, créer des emplois, envoyer les gens, et puis ils attrapent le Covid-19 et ils meurent. Pour préserver les vies humaines, on a sacrifié également cet agrégat ou cet objectif d'emploi. Mmh. Et puis l'équilibre d'avance des paiements. Ok. Qui sous-tend, si tu veux bien, la stabilité du taux d'échange. Moi, j'ai quatre questions. Oui. En fait, j'ai une question, mais qui a quatre volets. Mm-hmm. C'est sur base des programmes. Nangito sur le langue. Nzala et yaka soki ne volo baki yomor na libandeli. Nzala ezali kozana koye bape. Ezape forme mou. Ya monene koutou. Voilà. Tozali na kozanga mousala. Ezali cause moussousou ya nzala. Tozali na kozanga mayele ya mabele. Na bisope. Ezali pe cause moussousou ya bonzala. Ya nzala. Tozali pe na babalabala ou ezali pe cause on souci que bat basa nzala parce que tu vu que ça la va transporter ainsi de suite. Mais il doit dans la moko moko. Na boyebi par exemple. OK d'accord. Comment ba quels sont les programmes bino bouti en place pour na kolongola bato mentalité à ba fonctionnaire, kolongola bato mentalité à ba salarié, kolongola bato mentalité à fatuité na facilité. Bozo ki nango na ndenge nini? Quel est le programme que vous avez sur la connaissance et la transmission de la connaissance? Très bien. Je crois que il faut que songa bande ko basosola. C'est vrai que kozanga koyeba ezali wa ya ndambo. Et que aussi un grand savoir c'est un capital que quelqu'un a emmagasiné. Exact. Yango no muna ki mokonza mboka, il a privilégié la gratuité de l'enseignement. Ça c'était donner la chance na mwana nyonso a yekola. Aza na possibilité ya ko utiliser ba facture na ye ba compétence na ye pour améliorer ses conditions d'existence. C'est très important, ça il faut pas oublier. Omoni mokonzi mboka a créé position ya conseiller spécial ya changement de mentalité avec toute une unité qui parle, qui fait des émissions pour l'éducation des masses. C'est très important. À ce niveau-là. Il s'attaque aux questions des sociétés. Omoni mokonzi mboka yemoko. Yangozomona, il essaye de tenir chaque semaine la rendez-vous à conseil des ministres parce que le poisson pourrit par la tête. Que d'abord côté qu'on a ordre et quota. Donc on dit à cause de mécanisme alarme tout ça, mais la vision du chef de l'État elle est réalisée par le gouvernement. Il faut gouvernement ou un yemu quoi piloter en haut. Jour pour jour pour atteindre le lengenini azo kende pe aiba mutu na mutu azo kende na zelani. Et ça. Aujourd'hui, les résultats sont plus ou moins là. On ne dit pas que les mauvaises graines n'existent pas. Ezali ezolongwa. L'enseignement, par exemple, c'est le même système qui prône la... Non. La, y a, oui, qui date de 60 ans. Non. Il y a cette semaine-là, pas plus tard. Je crois que c'est le 15 ici. Les décisions sont prises. Les numériques entrent à l'école, à commencer par l'école primaire.
une très bonne chose. Exact. Donc, couper, c'est déjà jeunesse, aptitude au côté d'un monde numérique. Mais le programme scolaire va être très déterminant. Il y a avantage de Zalango. Et donc, au travers de mon programme international, il y a moins Mingi. Donc, pour le bateau Baibiote, bon, c'est un conseiller qu'on a ramassé ici, qu'on a pris par là, c'est un ami des Fachi. Mais il y a au moins, aux Zalango, expérience, il y a un programme international. Tu as travaillé au moins avec les hommes normaux qui ont la tête, qui ont la jugeote. Est-ce que le programme Otozanangolelo, programme scolaire Otozanangolelo, yomoko conseiller tant que tu as le programme, est-ce que ça programme fédérateur, est-ce que ça programme yoko impulsé moto ya bato, tous les programmes car il y a kala ya bakolon, même atta sou bouchon en ordinateur, atta bouchon en numérique. Le problème c'est le programme, qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? Je suis d'accord qu'il faut une réforme. Il faut des réformes. D'ailleurs tout le monde, il n'y a personne qui en doute qu'il faut des réformes. Et que tous un problème mingilelo parce que enseignement na biso na monde professionnel est en symbiose. Il faut produire des cerveaux pour vous permettre de résoudre des problèmes que vous avez qui en économie, qui na production, qui ça ne sert à rien de faire tourner la machine avec un programme qui est en décalage par rapport à vos besoins réels, surtout les besoins prioritaires. Et je pense que ce domaine-là, il y a quand même le ministre aussi de l'enseignement primaire, même ministre de l'enseignement supérieur, tout le monde parle de réforme. Donc, pour essayer de cadrer, de rimer un peu le programme d'enseignement à l'université avec le monde professionnel, avec les réalités, les besoins du pays. La pauvreté, pour la résoudre, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut de l'intelligence. Mais, conseiller, si vous êtes à Boudjala, vous êtes à Boussinga, vous êtes par exemple à Indjolo, au Romona, vous êtes à hectares, mais des hectares qui ne sont pas mis en valeur. Ça dit la potentialité est belle, juste comme je vous parle, vous êtes à l'étang. Il y a un bisi mais naturel, c'est les mabongo naturellement et la bongo bambisi alors ébélé. Mais soyez, vous sentez l'indice yanzala. Vous voyez que bateau et panza, bada pesa yanzala. Parce que vous tournez pas parmi tout n'importe. Bazan yanzala est nini exactement. Parce que manioc est juste dans la bongo, bisi est à quelques mètres dans la bongo place bazan. C'est vrai qu'ils n'ont pas la viande et autre chose, mais bazan pesa la bilo kwa na bala makemba, ils ont tout ça. Mais pourquoi ces gens continuent à vivre dans la pauvreté? Qu'est-ce qui explique la pauvreté dans un milieu où ils ont un peu tout ce qu'on peut manger directement? Bon, na cause on se l'homme tout non que. Oui, bien que les États-Unis ba pauvre bazal. Oui. La France ba pauvre bazal. Ba chinois un peu ba yaka on a gâté ba bazuye. Ba boula bazali monde entier. Comme Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Moi, je lis la Bible. Ça, c'est, je dis, vous aurez toujours. Il ne faut pas les défier. Donc, pauvreté, mon souci, c'est d'être spirituel. C'est-à-dire que Moutouana, il y a un esprit, c'est un esprit géant, dominant, et comme dans une communauté, pour rendre Batouana en Zal. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Au combat spirituel, dans le monde. Je suis tenté parfois batebele balingaka to aborder domaine wana tebe. Moi, nous on a intégré ça dans notre programme de présidentiel accès de lutte contre la pauvreté. Ah bon? Parce que bien sûr, on sait que za na batu. Je vais te dire une vérité. Ataku fachi asali programme andina bimisi 20 milliards batongi ba société ba sa nini. Les pauvres, il y en aura toujours. Mais si vous partez de cette hypothèse, vous n'allez pas régler la question de la pauvreté. Non, je suis en train de dire ceci. Ouais. C'est pourquoi il faut catégoriser les pauvres. Je dis qu'il faut catégoriser, quand tu saignes bien le problème, au taliba cause la pauvreté. Au bandit, kolongola, moko. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Si que oh, y a spirituel, ce n'est pas fatigue à kolongola. Une femme bongo, peut-être. Pour comprendre. Ouana, tout ça, Néné. Basé Bélé, il y a une grande catégorie.
ya batu bazali na eteni o type catégorie ya bobola wana ata ozui okozwa ndekwaye o pesie to ba $50 il redeviendra pauvre il a bidé ça abimi nano abimika epana yo amuni ngando eza pembeni wana abeti ata 5 nkoyi pona ya ngindi abeni pe baninga ya ngindi alors ko pesie omuni keza mbongo muke po akende kumisali sanango eza na batu bazalaka batu minene na mboko yo ba dirija ba grande entreprise to bazala ba commerçant minene lelo kutani na ye mekonesabu azali koluka osalisa ye azongi mobola. Mais ça c'est pas spirituel, ça c'est la mauvaise gestion, la mauvaise intelligence financière. Ça peut être la culture épargneté. Mais azalaki wana bo amataki ndenge ni. Il a eu coup de chance, il vole, il triche, on lui donne. Il y en a certainement dans la catégorie wana, mais il y a d'autres, c'est l'esprit. Ça va pas n'étendre azalaka mozui. A pambolami. Mais il y a pambolamité. Ata oti pesier immeuble, ti a côté ka abu katitina bakaru ateki. Parce que c'est ça sa destinée à Tikala Mbola. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Il y a des gens qui sont liés pour Bazala Babola. Je te dis que, ok, il y a un poto, il y a un tiao Christian, ok, il y a un poto, il y a un Babola, Bazo Sengopembon. Mbola, il y a vraiment, il n'a rien. Ok, les États-Unis, la même chose. Batu Yabongo, ce n'est pas que Trump n'a rien fait. Non! Il se bat tous les jours. Parce que même temps, on trouve un chômeur, c'est quelqu'un qui lutte pour avoir du travail, qui cherche du travail. C'est cela qui est répertorié comme un chômeur. Non, il se suffit donc à se payer la position. Je te donne un exemple. D'ailleurs, nous avons beaucoup de nos frères congolais qui sont en Europe. En réalité, comme on assiste, ça lui suffit. Parfois, on dit que c'est opposant à la poto. Pour 600 euros. Il est toujours sur la liste des chômeurs. 3 ans, 4 ans, en réalité, c'est un faux chômeur. Alors, il y a un deuxième point. Donc, oui. Na ibisho ke catégorie ya batuana qui au fait c'est un problème spirituel, il ne se bat pas, il ne cherche pas du travail, même ata au pécier musala ko sala ngo bien te ti okolongola ye parce que le loyer mukolo futiye ameliti a langue a bosani qu'il même il peut même venir au travail. Nous dit na mboka msusu ba corriger ka yango. Dans des certains pays on corrige pour avoir les minimum bas la mukie bongo mais belende ba ba tuza na musala na États-Unis ba tuza le ba mukie par rapport ya. Mais, sûr, mais là, je te parle de façon générale. Je te dis que même Trump, qu'on a azobé la moutou, n'a pas mêlé la drogue. La jeunesse, il y a la drogue. Améli drogue, il y a l'Alibanda, dans la gare, dans la station. Bazali. Oui. Ça dit que cette personne-là, pour l'ongola, je vais te donner des schémas. Les schémas, mon ito ben ici, to sengi na jantini ngobila. Azawana, batsalimwa, sasma batouane. Bouke, bolouki. Pasteur Mukuna, hein, évêque Mukuna, Boloki ba Dalo, Boloki Chef Kangou de Batouane, hein? Ba yeo, baza na makoki, majoran, boke na ndilite, pour parfois ndilite kotonda na ba demo mukolo wana kotondis, boke na ba on a fleuve. C'est sérieux ce que vous dites? Mais c'est sérieux, qu'est-ce que tu crois? Ces gens-là, c'est la délivrance qu'il faut. Ce n'est pas le reste. Conseil, vous allez délivrer quelqu'un qui n'a pas, qui ne veut pas être délivré. Il y a mon ébissio, ok. Même la délivrance, c'est un processus. Vous n'allez pas mélanger tout. Bon, mélanger, il y a quand même. Donc, il y a beaucoup de répondre que Baton va ôter la gobi caté. Non, mais vous mélangez, vous n'avez pas volonté là-bas. Je suis d'accord avec toi que ce qui m'a l'ingité, tu ne vas pas même. On ne développe pas quelqu'un, on se développe. Oui. Donc, au coup délivrer Moutou, au coup. Et ça, dans Moutou Moussousou, au fait, esprit Wana et les Kie Makassi. Hein? Je te donne un exemple. Mais vous êtes un gouvernement spirituel ou vous êtes un gouvernement politique? Oui, bien que dans tout gouvernement, il y a une dimension spirituelle. Ce qui est un gouvernement qui va donner des solutions aux problèmes difficiles. Lui-même, vous croyez plutôt à ça ou vous ne croyez pas en Dieu? Par contre, ce qui est un gouvernement, il est diabolique. Quel salut vous attendez?
C'est comme ce que nous ont dirigé. Nous, on n'est pas pauvres aujourd'hui parce que beaucoup sont pauvres. Nous, on était riches. Ce pays était une merveille. Les gens venaient dans ce pays, même les périodes où ils s'endettaient, jusqu'aux les années 70. Un Zaïre est égal à 2 dollars. Mais c'est des blancs qui venaient ici, l'enseignant ne se plaignait pas. Nous étions outils l'écolo Tokiti. Maintenant, il faut vous demander, mais Tokiti Ponanine. Parce que, yo, Banzo Yebi, mon conseil, Kondo, Maréchal, Obaka, ceux qui ont le pacte, na diable. Pour nous, nous avons unité, il faut le savoir. Asala ka yangope. Totikala na pacte, ou na diable. Il y a unité. Il y a unité. Totikala ka na pacte, ou yo baya si manaye bangonyos, batikala ka na moulongwana. Il y a un pacte de diable. Il y a par-ci, par-là. Il y a palais du peuple, il y a palais de la nation, il y a un de foule. Il y a un bakunda de foule. Il a suffi, moi, je suis fati, aïe, de la sosoli. Il y a un peu de qu'un stade a péché mon zambé, a foukaïm basamé le connaître. C'est quoi? Le pays est conduit par Dieu. Vous avez dit? Babylon, vous avez dit Timoli, Timoli? Toi, il y a un mot dans ma prière. Non. Là, c'est en réalité. Il y a un gars qui a été dit solo, il y a un gars qui a été dit, tu peux trouver ça anodin. Mais c'est important. Non, pas anodin, mais c'est vrai que je ne me retrouve pas, en fait, dans le processus d'un développement. En Mboka, nous avons une intervention priorité voilà. Pour que tu tombes en Mboka. Ah, voilà. Je ne vois pas. Pourquoi le président américain a prêté serment le bon Nicolas Bible? Mais c'est de la farce, vous savez que ça n'a rien à voir. Est-ce que tu tombes en Bible alors, ce pays qui cautionne l'homosexualité, ce pays qui cautionne l'avortement, ce pays qui cautionne le mal qui institutionnalise le péché. Vous allez dire ça, Bible. Encore que l'acception de notre Bible, on a la Bible. Depuis qu'elle a mis, on ne sait toujours pas ce qu'elle versait et tout ça. Mon sang, on a mon kiliawa, azalité. Nous tous, on fait des péchés. Mais c'est demeurer dans les péchés des Alimabé. Les États-Unis. Tant que mon konzi en Boka, il est accueilli par Nanzambé. À ça les gestes ouan c'est acté na le but est que mon condamnement a couvert mon sang il ce qu'il fait c'est acté même Dieu il a acté parce qu'il n'en a acté et la chose est en œuvre ça ne veut pas dire que bah sang ou mboka mobimba bateau bah ça la mission basili non ils peuvent le faire mais Dieu prend acte et désormais il entre en jeu ils allaient vous inviter et puis à côté n'allez pas vous allez toujours bon, peut-être c'est un dossier, on peut parler plus tard. Plus tard. Très bien. Toujours il y a un deuxième point. Mais néglige pas le spirituel. Pour rétablir les relations. Ça n'a pas de rapport avec le développement du pays. C'est comme ça que les gens chargent, soit t'as dit charnel, soit t'as dit moutou ya moulili. Amon, aïe, va se solibus, oye, comme une guerre spirituelle. Quand il rétablit les fondements spirituels pour Mboke Mandotambola, il y en a qui combattent. Donc, soit. Fondement spirituel, non, juif. Tu as compris. Donc, vous, Congolais, vous pensez que votre salut viendra des juifs? Nous sommes une nation chrétienne. Bien que nous soyons laïcs, et la majorité, il y a beaucoup. Tout ça dit bah chrétien, mon conjambouk Azali chrétien, il croit à son Dieu, il a pris le pays, il l'a donné au Dieu. Et il fallait que à rétablir ma relation avec le peuple de Dieu qui ont été rompus. Parce que on a à partir du discours de Mobutu quand il a rompu les relations avec Israël. Tu peux prendre ça anodin. Mais les faits sont là. Tu vas voir que depuis lors, on ne s'est jamais plus relevé. Au bon moment, l'Égypte a bondi ça Israël en haut face à face. L'Égypte, à l'équipe sur la taux, à l'équipe sur la croissance, à l'équipe sur la école à bien, à l'équipe sur la université, à la milliardaire. Bino, bateau, besoin qui position contre Israël. Besoin avancé, t'es bon, mon Égypte, t'as la place, t'as la place, tout ça. Oui, mais t'es un mot, Zawan. Ce qui nous a amené à Zio.
quelque part. Hein? Mm. À commission, le gouvernement, studio, na yo, ce qui est Zambé, Mukolo, Okowanga en Zambé, sache que Okozala même pire qu'un chèque de Nanzela. Ce qui est le pambou, le outa qui est pas en Zambé. Oyeti, oye, o toloba, o renié en Zambé. Dieu te ramène là où tu étais. Donc, je veux te renier qu'une Zambé. C'est ouf, c'est ça ma façon de voir les choses. Heureusement que c'est votre façon de voir les choses. Oui, on va évoluer alors. Mm. Parlons maintenant du travail. Toujours la bonne bobola, nous allons sur côté la pauvreté na musala. Balobi que selon les experts, la question de la lutte contre la pauvreté doit prendre en compte le respect y a SMIG. Bon, moi je parle vraiment pas de SMIG tout de suite, mais je parle plutôt même y a musala yango. Comment vous expliquez, conseiller, que biso tozali lelo na Losso, Masangu, Madesu, Eba Oignon, tout ce que vous voulez, Eba Épice, tout ça, nous avons la capacité ébélée. Mais pourquoi nous n'avons pas, tout ça, la usine T autour, il y a Bilo Konabisoana, tout ça, la usine T autour, il y a Cacao, alors que nous avons ébélé, tout ça, la usine à Café T, alors que nous avons la Boteka, tout ça, la usine, il y a Mafuta Mbila T, tout ça, vraiment, il y a même pas. Pourquoi n'avons-nous pas créé dynamisme monnaie ou créé emploi pour absorber le chômage et puis lutter contre la pauvreté. La place où est-ce que vous avez un programme pour quelqu'un, ce qui est allé, les années. Tu sais, quand ce pays était prospère, parce que les usines, tout était là. On a laissé les usines à Bandundoua, les usines à Eruya, au Kenya, Équateur, au Puta, on a détruit. Tout ça qui a limité. Les petites et moyennes entreprises, les usines à Mike, Mike, Bilo, qu'on soit Mike, Mike, ça se produisait ici, la Kingaboua n'a limité. Aujourd'hui, il n'y a rien. Les gens ont préféré Kubuka, tout ça, tout le monde, Bandaku, Bandaku. À la place, il y a les usines, les copains, ça va tout le monde, ça n'a limité. Il faut faire une analyse. Les usines, il y a l'État à Tongite. Est-ce que c'était l'État? Ce n'était pas l'État qui avait construit ça. Par exemple, il y a mafuta, il y a savon, il y a café, il y a cacao. Et il y a ma privé. Et le président Azali Kope Tandanga na entrepreneuriat jeune. C'est aux jeunes, comme tu fais ton studio ici, c'est aux jeunes aujourd'hui de saisir la balle au bon pour prendre des initiatives d'avancer. J'avoue que Koko Sezanano par rapport aux institutions qui doivent notamment les soutenir, les financer. Ne demande pas à l'État ce qui n'est pas à lui. Au contraire, tout ce que l'État a privatisé, beaucoup d'entreprises publiques, à Zanango, à l'Union, sur les tickets vides. On cherche des capitaux frais pour Ekotawan et revitaliser la société. Donc, Moussala, chef de l'État, à Zosal, qui est au fait le fondement, il y a Mboka. Découper ça, et le Kotobengi, Clément des Affaires et Bonga. Pour que les privés créent ça, que les gens soient attrayés par le Congo. Et Bélé, Baya, dans le régime où il est, Tobenga na Bango. Tobaye pour corruption, Zalaki, à 20%, 40%. C'est comme ça tout, c'est mieux, monsieur 20%, monsieur Sogi, monsieur 10%, vous y bien. Moi, comment l'opposition, monsieur 30%. Donc, toi, nande, je dirais même un peu bandoki, de Baloukamboka. Maintenant, aux autres, on a que l'État a créé. L'État ne va pas créer ces entreprises. Ce n'est même pas son rôle. Autour d'un Mboka, l'État, des entreprises partout. Non. Mais l'État crée des conditions. Non, c'est ce que moi, Namboka, tu sais que j'ai dit ça. Créer des conditions. Pour Batouba entreprendre, ça va faire. Est-ce qu'il y a un programme d'habitude ou intégré? Est-ce que vous êtes dans la liste d'entreprises, il faut qu'on fasse renaître? Bien sûr que, bon, au fait, quand tu rentres dans le programme de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire, on est allé dans le volet, on passe pour dire que, pour choisir, pour me manger, j'ai accepté. Mais je t'ai dit que, pas pauvre, nous avons un programme, axe, résultat. Pour que Opesa quand même, aller dans les communautés, créer des structures et des investissements où il peut permettre accès, qu'on appelle accès aux services sociaux de base.
ça au moins l'État doit les garantir. Kobunda ke batonanga bazoka mai ou ezali propre. Congolais azali structure ce qui abeli hein azali na place à se faire soigner. Comment est-ce que chacun doit en cas de besoin à faire face à bas soins médicaux. Comment est-ce que l'école les ala c'est ça le rôle de l'État. Il y a bilokuana. Comment le reste c'est des entreprises comme ça, cacao et le reste. Non, doit nous écouter ça. Les hommes d'affaires étrangers ou congolais doivent se mobiliser pour quoi. Maintenant que le climat d'affaires s'améliore, les institutions bancaires conseil sont ouvertes. Mm. Donc, tu as un crédit, tu as une entreprise, tu peux faire un projet bancable, tu as une banque, tu peux investir, mais ne demande pas l'État. Mais justement, conseiller, la question finalement, il y a crédit dans la banque. Où est-ce que ton directeur est extrêmement hostile à toute initiative qui a pour investir. Bah, jeunes Congolais, les lots, moins bien investir, exacté, parce que bon, moins besoin de crédit à monnaie, exacté. Pas parce que badana va coquiter, mais parce que badana va gageter, badana va hypothéquer. Pendant que bon, on va souffrir, bon, tout directeur n'a bino, ils a favorisanté, bah malien, bah nigérien, bah pakistanais, bah indien, bah jeune gens, bah bon, bah bon, koya, bah qu'on défait le coup facile, badana va garant, et ainsi de suite. Comment vous pensez qu'on éveiller bah jeune nabino, bah évoluer? Je suis d'accord, Naoyo Lobby, mais tout tient à un système. Ils ont un système. La banque est dans un système de Tozaliao qui travaille très difficilement dans les conditions qui sont les nôtres, telles que Congolais. On a encore un exemple. Je suis allé à Kinkole dans le cadre du centre multisectoriel de lutte contre la pauvreté. Dans le but, il faut encadrer les communautés de pêcheurs de Kinkole. Batu Aliboso Yambi, Osbosololi. Vous avez ce binôme matériel à pêche. Vous avez ça la pêche. Vous voyez, hein? Vous avez Kabola, na organisation. Donc, on te donne le matériel. Vous voyez, au principal, on est éthique, on est bionios. Ok, il est sous. Bakéi une fois. Bazongio, non, tozuika kamukeboe. Bakéi lobby. Mais comment, quand on a fait des repos le deuxième, le troisième jour, bayate. Ils sont partis avec tous les matériels qu'on a distribués. Mm. C'est dans un système comme ça que tu vas demander à la banque d'opérer, de ne pas majorer les taux. Il n'y a pas des hommes crédibles. Maintenant, ce qui fait que, parce que la banque fait son commerce d'argent, à quoi il peut perdre, il doit donner les parapluies quand il ne pleut pas. Il est sûr que, d'ailleurs, il y a un adage qui dit qu'on ne prête qu'aux riches. Pour que prêter mon bolet pour akendoli akende. Il faut que ce soit une œuvre philanthropique. Mon bolo ko kabelaye ko pe ça y était. Il faut donner à quelqu'un qui donne des garanties qu'il peut il va revenir rembourser. Ces personnes là ba congolais tozana ngote. On nous a détruit. On a fait un appauvrissement collectif. Aujourd'hui, trouver maintenant un entrepreneur moutou crédible, c'est à compter. Qui est votre Dangote au Congo aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Ben alors, est-ce que vous voulez partir et laisser les gens, laisser le Congo sans Dangote, par exemple? Même Attar, le président l'a dit, qu'il va faire des millionnaires. Mais comment? Mais il ne va pas prendre l'argent à donner aux millionnaires. Oui, mais comment il va le faire? C'est ça que les gens doivent comprendre, que le président doit d'abord assainir le système qui est en place. Est-ce qu'il est en train de le faire? Bien sûr que oui. Quand nous parlions qu'il faut instaurer ou restaurer la justice, c'est un élément de sécurité n'a pas fait Namboka. Parce que c'est un pays qui n'a pas de justice. Exactement. Vous pouvez beau crier, oh ma père, eh, non. Mais il n'y avait pas de justice. Donc, si le président aujourd'hui met en place la justice, qui a restauré autonomie Nabango, indépendance Nabango, ce n'est pas forcément pour son bien. C'est une institution qui garantit, qui met en sécurité même les hommes d'affaires. Si l'État aujourd'hui, l'État de que armes comme ça impunité à combattre l'impunité, c'est parce que écoupé ça bat moins culture moko ya kozala plus ou moins honnête, je dirais, parce que c'est la peur du gendarme qui est le début de la sagesse. Il faut chikoto anezala pour qu'ils enseignent. Ne considérons pas les Américains, les autres comme bat ou babotama basante. Nous, c'est pas ça. Il suffit de lever
les garde-fous, ils vont retomber aux mêmes dérives que nous. Aujourd'hui, s'il y a un enfant... Donc, comprenez que le président est en train de mettre le fondement d'un état de droit. Et c'est cet état de droit qui garantit mon total, donc je peux faire les affaires dans ce pays-là. Mon capital, s'il va là-bas, je ne vais pas perdre. Je peux créer des emplois, je peux créer des richesses. C'est en ce moment-là que même les banques s'adaptent à ce que dit la loi, à ce que personne ne respecte la loi aujourd'hui. Très bien. Je voudrais qu'on termine sur la question. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce que vous faites-vous un lien entre la pauvreté, c'est vrai, on va résoudre la pauvreté, l'entrepreneuriat et l'importation que nous faisons des choses qui viennent de l'étranger alors que nous avons ces choses chez nous. Un exemple simple, Bakongel va importer oignons, va importer épices. Ils importent tout. Bah alors, bon, mais si je me mets dans ton studio ici, montre-moi qu'est-ce qui est fait au Congo, peut-être de ces chaînes. Oui, malheureusement. Tout, mais justement, voilà. Comment on fait? Est-ce que dans votre programme, vous avez pensé comment aider ou comment promouvoir ces jeunes gens en ingénierie, par exemple, Nabilo Yamabaya, et tout le reste, Maman Zandou, Maman, par exemple, qui sont en train de comment on fait pour que Abanaki ne le connaît moi, Moké, et qu'on m'appelle mon aîné, et qu'on m'appelle une référence, quoi. Je te dis ceci. Pour limiter l'importation, c'est ce que je veux dire. Dans le programme, il faut savoir par où commencer. Et comme je t'ai dit, par où commencer, c'est par mettre les fondements de cet état de droit. Ils attendent, ça va venir comment? Dans les climats d'insécurité, dans l'impunité, dans l'imbroglio qui existe, il faut commencer par remettre de l'ordre. Ça prend du temps. Mais c'est là. Quand on met cet ordre-là, les personnes crédibles, les institutions crédibles se créent. Même les mondes extérieurs qui vous regardent, le Fonds monétaire dit, ah, ça y est, maintenant, les Congolais sont décidés à aller de l'avant. Les capitaux viennent. Parce qu'il y a des capitaux qui n'attendent que voir l'ordre et la sécurité dans ce pays pour venir. Mais qui ne peuvent pas dans le contexte actuel. Au commun, même moi, Namboka, Félix, il veut faire quelque chose. Vous trouvez des Congolais qui se lèvent pour le combattre. Vous trouvez les gens qui font des embûches. Il y en a même qui vous ont déclaré qu'aucun tout investisseur a yaté. Ben, investisseur Bakouyaté. Il faut ça, justement. Il ne s'est pas limité dans Koloba. Mais il fait ce travail de sape-là. Pour insécuriser, qu'on tire la ficelle à gauche, à droite. Et c'est là, maintenant, on demande, est-ce que vous savez le programme? Vous demandez une chose avec son contraire. Parce que dans ce pays, tant que tu vas demeurer dans l'imbroglio, il n'y a rien qui va venir. Pourtant, celui qui est censé régler cet imbroglio, c'est le président Félix Tshisekedi. Je suis bien d'accord avec toi. Mais avec l'appui de tous. Le président n'est pas un magicien. Si aujourd'hui les Congolais refusent d'avancer, il n'avancera pas. Si aujourd'hui les Congolais refusent de s'entendre, de se mettre à table, si les Congolais refusent de construire, ce n'est pas lui qui va construire tout seul. Il vous dit, voici comment on doit aller, voici comment on doit construire, voici la loi. Messieurs, respectez la loi. Messieurs, si vous refusez, il n'y aura rien. On va terminer cette émission. Dites-nous. Ah bon, déjà? Oui, oui. C'était si court. Dites-nous, qu'est-ce que l'on retient finalement de ce programme de lutte contre la pauvreté? Défi, Ezanini, perspective, Ezanini. Le programme, il est gigantesque. Il est bon. Vous savez, juste après le lancement du programme, le 16 octobre de l'année passée, donc c'était hier, j'ai totalisé une année du programme. Je me suis lancé dans la mise sur pied d'un centre pilote. Je crois vous en avoir parlé l'autre fois. Ok. Et donc, on a fait 3 mois et Covid-19 nous a surpris.
Et on a repli, on a fait un repli à Kinshasa. Et donc, à la sortie, après le confinement, on a lancé une autre initiative de centre multisectoriel de lutte contre la pauvreté à Kinkolé, donc qui est pratiquement dans la vallée du fleuve. Qui porte sur quoi exactement? Justement, c'est un centre pour aider plus ou moins, d'abord apprendre aux jeunes les différents métiers pratiques, tout en gagnant quand même un peu d'argent pour se suffire, mais aussi pour exploiter les ressources du fleuve. Parce que je dirais même, la plus grande ressource naturelle des Kinois, c'est quoi? C'est le fleuve qui est à côté. Et il n'est pas suffisamment exploité, ni en termes de trafic, ni en termes de ressources, les sables qui est là, qui peut faire des bonnes de vitres, des bouteilles, des qualités. Mais nous importons des vitres dans ce pays. Il y a les poissons qui sont là, dont on n'a pas les capacités pour, en fait, les pêcher. On peut, à partir de là aussi, dans le bassin, si tu veux bien, la vallée du fleuve, c'est un endroit de prédilection pour les étangs. Comme ça, on élève le bon poisson du fleuve, on les canalise vers ces étangs, on les élève à ce niveau-là. Mais aussi l'agriculture, aussi bien l'élevage. Voilà ce qu'on veut faire, bref, pour lutter un peu contre l'insécurité alimentaire. Dernière question. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous êtes financé? Parce que au Congo, c'est ça, vous avez des beaux projets, des très beaux projets. Quand on l'écoute, on dit « Oh, mais c'est merveilleux ». Et puis après, conseil Badibanga, rien, sans argent, sans financement, en fait, et vous nous parlez de la foi. Vous savez, oui, très bien. Je parlais toujours de la foi. Mais je savais. J'ai la foi, justement. Je savais qu'on allait en venir. Non. À Kinkolé, avec des petits moyens, on s'en sort, mais beaucoup de fois, des petits moyens, on est en train de s'en sortir. Puisque, c'est vrai, le financement, il faudrait s'attendre au budget de l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir qu'on peut fonder sur le budget 2020. L'année se termine. Peut-être l'année prochaine. Mais avec les moyens de bord, nous sommes en train de faire un travail remarquable. Et je pense même que ça vaut la peine qu'on vous invite là-bas. Ce serait un grand plaisir. Oui. Vous pouvez voir ce qui est là et puis on aura. On diffusera, ça sera avec honneur. Merci beaucoup, monsieur le conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et les internautes, c'est vrai, vous allez répondre aussi. Je pense que nous allons revenir quand on va aller visiter, on va filmer ces réalisations. Vous allez le mettre sur dans le réseau. Vous allez, pendant 2 ou 3 jours, décortiquer, envoyer des questions et je mettrai toutes ces questions pour les poser à M. Badibanga. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Je plus précisément dans la Washington. Je suis maman, Bio Afrika Union et d'autres. Tout d'abord, on n'a pas 6 mois. Sinon, vous voyez pas, il y a Dino, vous voyez Dino. Vous voyez quoi, là, dans le cas? Alors, c'est qu'il y a Mboka. Il y a Fresh. Il y a Bio. Bio n'a Bio. Bio n'a Bio. Si on a Mamba, il y a Poula Mongkanja Isali. Parobi, nous sommes moi, Yali. Et il y a Kouba Paniwa. Parobi, Ntente Isali. Ça tombe, ça gagne. Tu es Mboto, Yambi, c'est ça. Parobi, Nyama, Yamoto, 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 Où allons-nous?
Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es où sont, si ton pitoire, Daïmata, Chino, tu es néné, n'a qu'il n'y a pas d'apico. Loye Mali, loye Bolonde, Nelalisa.